Le Maroc et 8 autres pays arabes se retirent du sommet afro-arabe. Il s'agit des délégations du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, Bahreïn, Yémen, Somalie, Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ils ont décidé ce mardi 22 novembre de se retirer du 4e sommet afro-arabe qui se tient actuellement en Guinée équatoriale. La raison évoquée par les membres des délégations n'est autre que la participation du Front Polisario. C'est tout à fait dommage, c'est la conséquence d'un phénomène qui dure déjà beaucoup d'années. Je crois que ce sont des obstacles que nous disons que nous devons se surmonter. Et c'est tout à fait dommage parce que ce sont des partenaires importants. Ils ont cité le Maroc, l'influence du Maroc aujourd'hui en Afrique, les gros investissements que fait le Maroc en Afrique. Je crois qu'on doit tenir compte de cette, et surtout sa volonté de faire en sorte que nous devons ouvrir tout pour que le Maroc revienne. L'Union africaine est responsable, les Nations Unies aussi sont responsables de que ces situations perdurent jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est une affaire qui devait être déjà résolue depuis longtemps. La délégation marocaine avait vivement protesté lundi contre la présence de la délégation du Front Polisario. Une protestation qui avait poussé les autorités équato-guinéennes à reporter le sommet à ce mercredi 23 novembre 2016. Le Maroc a certainement voulu faire un coup d'éclat par rapport à ses propres ambitions. Et par rapport également à son insertion, vous voyez, c'est le Maroc aujourd'hui qui fait beaucoup ce qu'on appelle les relations sud-sud. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, la position du Maroc devient extrêmement importante. Et sa position est naturellement sous condition, donc elle est conditionnée par un certain nombre de choses. Alors dire que la Guinée équatoriale puisse anticiper la pensée des Marocains, c'est un peu difficile. Je pense qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, mais simplement à la fin, ils ont posé des conditions, et lesquelles conditions n'ont peut-être pas été satisfaisantes. Et à partir de ce moment-là, c'était le moment idoine, le moment idéal pour faire un coup d'éclat. Malgré le retrait du Maroc et des 8 autres pays arabes, les travaux du sommet se poursuivent à Malabo. À savoir que le retrait du Maroc du sommet afro-arabe intervient quelques semaines après le dépôt d'une demande d'adhésion à l'Union africaine. Le Maroc, qui avait quitté l'organisation de l'unité africaine en 1984, proteste contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qui lui conteste la souveraineté sur le Sahara occidental.